Le conseil de surveillance du groupe automobile allemand Volkswagen se réunit ce jeudi pour essayer de résoudre la crise de succession potentielle provenant du conflit qui oppose l'actuel président du conseil de surveillance, Ferdinand Piëch, à son fils spirituel et successeur désigné, Martin Winterkorn, qui préside aux destinées du groupe de Wolfsburg depuis 2007. La semaine dernière, Ferdinand Piëch, 77 ans, avait déclaré dans le Spiegel « J'ai pris mes distances avec Winterkorn, ses propos surprenants pourraient compliquer la prise de fonction de Martin Winterkorn à la tête du conseil de surveillance en 2017 ».